Pilote moi, fais attention, mon âme. Là où qu'à monter, il faut qu'on prenne précaution. Mille à moitié, tu es Milo. M'en Benjamin, dis-moi, liché, mon âme. Pilote moi, fais attention, mon âme. La jalousie qui fait mon divague. Mille à moitié, tu es Milo. Où dans pays, tout bagaille, c'est. Alors, nous vous remercions d'avoir déjà choisi la Martinique hein, comme destination de vacances et aussi d'avoir choisi le Roi Mongin. C'est le précurseur de cette journée dite fond blanc avec appellation baptême de Rome. Il y en a qui l'ont vu ce matin, habillé de blanc avec sa casquette. C'est le Roi Mongin du haut de ses 74 ans. Il a commencé comme ça. C'est un fils de marin pêcheur. Et puis de fil en aiguille, il a pris goût. Hein. Avec les premiers touristes hein, qui sont venus, ils étaient tellement émerveillés comme vous le serez aujourd'hui. Et ils lui ont dit, vous êtes notre roi. Hein, et voilà, et bien, il est allé se coucher et puis il s'est réveillé le matin. Voilà, et bien, il s'est dit, voilà, ben, je suis le roi. Alors c'est parti, hein, chers amis, on attache bien les chapeaux, les beaux chapeaux. JR, attention à ton chapeau. On va s'envoler. Alors, on va refaire l'océan Atlantique. Hein. D'accord. Voilà, alors nous quittons la marina du François, la terre ferme, que nous allons retrouver aux environs de 23h, 23h30. Ben, y a un problème? Non, ça va? Bonne réponse, monsieur, on est en vacances, c'est bien. Vous avez tout compris. Ça veut dire que quand on part, on laisse tout ce qu'il y a. On laisse tout et on part pour l'aventure. C'est bien ça? C'est ça. On est venu pour vivre l'aventure du Roi Mongin? Un jour, moi, descend la cascade, où baille, moi, ton. Tout chaud mes amis, tout chaud. J'étais en train de me dire, ça sent la crabe. Ouais. Tout chaud mes amis, ça quoi la mer, ça quoi la mer, ça quoi la mer. Nous avons proposé pour les guillets, ni zèle pour le guillet, ni côte de porc guillet, ni ribs, ni colombo de poulet, ni coq, haricots rouges, légumes pays, du riz, migot de fruits à pain, et puis nous ni comme dessert, nous ni poisson mariné aussi. Hein.
Nous avons comme dessert, nous avons banane flambée et puis glace. Comme d'habitude, petite glace locale, nous avons fait. Là, actuellement, c'est total, nous avons fait local. C'est glace, c'est banane flambée et puis glace. C'est ça nous avons fait aujourd'hui. Et nous avons langouste, ça dépend de la demande des clients. Si les clients demandent de langouste, nous avons apporté langouste. Oui, aujourd'hui, nous avons commencé à y aller. Ça qui est les tablas, yo les prend un morceau viennent, chaque viennent, yo prend un morceau en chaque. Et ça yo vise, yo envie manger, yo ka yo peut servir quoi yo. Yo ka mande ça yo les. C'est moi ka la préparation, toute la préparation à 5h du matin. Moi ka lever à 5h du matin, les moi arrivé à l'hôtel là, une toute préparation hein. Et puis ici à moi ka faire grillade là. Donc mon rôle, c'est la photographie, je suis photographe. Donc au cours de la journée, j'imprime les photos, je les développe et les clients peuvent choisir à des prix raisonnables. Ça fait un petit moment, ça va faire 2 ans et demi. On est ici avec mon équipe, mon studio et pour le moment ça se passe bien. Oui, on a un partenariat avec le Roi Manger, exactement. Ça. Voilà, bonjour mesdames et messieurs, je suis Edouard, un guide de 23 ans de métier, je suis professionnel depuis 23 ans. Je travaille à la Martinique et je suis chargé le plus souvent de faire découvrir mon île natale, l'île que j'aime beaucoup, à tous ceux qui viennent pour leur donner un peu l'envie de revenir. C'est ce que je fais depuis très longtemps et je crois que ça porte ses fruits parce qu'on a assisté à quand même une sorte de recrudescence, un essor de la venue des métropolitains ici cette année et ça ne peut être que positif pour nous. Alors là, nous allons vous montrer un petit kiosque où sur l'îlet Oscar, où vous avez une responsable qui présente ses produits. Je vais vous la présenter dans quelques instants. Et puis vous avez les touristes qui viennent de temps en temps et elles viennent regarder ce qu'elles pourraient acheter. On leur propose des maillots de bain comme vous voyez ici. Vous avez aussi les pareillots, les robes. Enfin voilà, vous avez les pareillots. Et puis vous avez la responsable qui dans un moment va présenter ses produits. Elle va donner le prix, les colliers, les magnifiques colliers. Et je vous la présente. Elle s'appelle... Alors je m'appelle Théania. Je suis polynésienne. Elle, Théania, qui est polynésienne, mais qui en Martinique se sent comme chez elle parce qu'elle vit depuis très longtemps. Elle est en sorte une des nôtres puisqu'elle comprend très bien notre patois alors que nous ne savons rien de son patois qu'on aimerait bien. Alors je vous la laisse et puis on va vous montrer les produits qu'elle va vous présenter. Voilà, je vous laisse découvrir les produits qu'elle présente à tous ceux qui viennent ici et je crois que parfois ça marche bien pour elle et parfois c'est un peu dur, mais vous savez, la vie n'est pas toujours facile. Je la laisse en compagnie de ces charmantes dames et elle va leur proposer les produits qu'elle vend tous les jours ici. Alors je vends des shorts de bain, des chemises, des t-shirts, des pareos, j'en ai un maximum de pareos, de différentes pareos et puis de différents prix aussi, et puis des colliers, des poucachels, il y a un peu de tout, j'ai aussi des colliers de coquillages. Et puis les prix sont différents aussi. Et des chapeaux, un peu de tout. Hein. Je vends un peu de tout. Bon appétit. Banane, légumes. La fouille après. Très bonne journée. Le soleil, la plage, le rhum, la musique. Tout était parfait. Voilà. Donc si on revient, on reviendra voir le Roi Mongin avec plaisir. Regardez le caméraman, voilà. Il en profite. J'adore la Martinique, c'est le plus beau moment de ma vie que je passe ici, mais ici c'est le top des tops. Mais il y a deux départements français qui sont les plus beaux, c'est la Martinique et la Vendée. Mais... On n'a pas envie de s'en aller, je voudrais rester mourir ici avant de m'en aller, tellement c'est faramineux, c'est un beau paysage, on ne s'en lasse pas, on se sent bien. C'est réellement le bonheur. Comment expliquer ça à d'autres personnes? Ne pas aller ailleurs, il n'y a pas mieux qu'ici. Bravo, merci, continuez comme ça. Ouais. Je peux pouvoir voir voilà. Le plus souvent possible sur la chaîne OnSec TV. Voilà. En vous remercions. Voilà. Non mais c'est ça, regarde.